Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo pour un bilan lecture avec trois bouquins lus pardon, dernièrement. Je vais d'abord vous parler du 12e chapitre de Jérôme Loubry. Alors clairement, c'est un thriller que j'ai pas du tout aimé, mais j'en parle quand même. Deux amis d'enfance reçoivent chacun un mystérieux texte qui décrit très précisément l'été de leurs 12 ans. C'était un été dans le camp de vacances de l'usine de leurs parents où ils vont chaque année. Un été où le climat était très tendu socialement dans l'entreprise et aussi un été marqué par la disparition de deux enfants dans le coin. Et c'est également l'été où ils feront la connaissance de la jeune Julie qui vient passer pour la première fois son été dans la station balnéaire. Alors, je me suis pas mal ennuyée. C'est un roman qui est assez lent. On attend avec impatience ce fameux 12e chapitre qui est censé tout expliquer. Je vous montre un petit peu que vous voyez l'écriture. Sauf que ben moi, j'avais compris les trois quarts de l'intrigue, donc du coup, aucun suspense. Et en plus, j'ai trouvé le stress des deux personnages un peu démesuré par rapport. Leur réaction très démesurée par rapport à l'histoire, en fait, ce qui est annoncé. L'écriture de l'auteur est assez, ampoulée, très, très métaphorique. On a souvent aussi des phrases, alors ça, j'aime pas trouver ça dans les textes, mais des phrases du style, des phrases faites pour nous tenir en haleine, mais moi qui m'énerve beaucoup, comme, voilà, ce fut l'une des dernières nuits où l'on vit le bois tordu. Ok. Alors, bon, voilà, je vais arrêter là. Jérôme Loubry, j'avais déjà lu Les Chiens de Détroit. Et en fait, j'ai relu ma chronique et j'avais eu la même impression. Je pense que je vais arrêter là pour l'auteur. C'est un auteur qui est assez apprécié, mais moi, je sais pas, c'est pas du tout mon style, en fait. Voilà. Donc, je passe. Alors, ensuite, on attaque du très sympa avec le tome 3 des aventures de l'inspecteur Andreas Auer. De l'auteur de polar suisse Mark Woltenhauer. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Je vais pas trop en parler parce que c'est un tome 3 et j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous conseille de lire les premiers, les deux premiers. Donc le premier tome, c'est Le Dragon de Muvran, pardon, et le deuxième, Qui a tué Heidi? Des polars suisses très très chouettes, très bien écrits. Alors pour faire rapide, j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Cette fois-ci, on quitte la Suisse et on part un petit peu en Suède. Voilà, on part en Suède, où Andreas va rechercher ses origines et va mettre à jour en fait des atrocités qui ont été commises par une secte viking qui est toujours en activité. Donc voilà, il y aura une enquête qui va se joindre à une enquête en Suède. L'écriture est toujours aussi limpide, les personnages sont toujours aussi attachants. Voilà, c'est un auteur de polar que je recommande fortement. Et j'ai vraiment hâte que l'auteur sorte le tome 4. Je sais qu'il est en train de travailler dessus. Voilà, Mark Woltenhauer, je conseille vraiment beaucoup. Ah, le meilleur pour la fin. J'ai lu et adoré. De Si bons amis de Joyce Maynard. Alors, un roman américain. Hélène est photographe, mais elle doit compléter son activité par des petits boulots parce qu'en fait, elle est ruinée. Elle s'est ruinée en frais d'avocat pour obtenir la garde de son fils à l'issue de son divorce. Hélène est isolée, elle galère pas mal. Le soir, quand son fils est couché, elle a pris l'habitude de décompresser avec un petit verre d'alcool, voire deux, voire plus. Et un jour, elle se fait choper à conduire en état d'ivresse, et là c'est la chute. Retrait de permis, retrait de la garde de son fils, obligation de soins, visite très restreinte à son fils. Hélène est désespérée, elle s'accroche, elle décide de plus jamais boire, elle se bat pour essayer de maintenir un lien avec son fils qu'elle voit peu, mais c'est très dur. Et puis un soir, lors d'un vernissage, dans ce vernissage, Hélène fait un extra en tant que serveuse. Elle rencontre Ava, qui est une femme lourdement handicapée, adorable, très charismatique, et son mari Swift. C'est un couple fortuné, fantasque, amateur d'art, très engagé dans des actions caritatives pour les animaux. Ava va s'enticher d'Hélène et la prendre sous son aile.
Hélène, qui est perdue, manque de confiance, va plonger dans cette amitié où elle revient pas en fait que des gens, elle n'en revient pas que des gens de ce standing s'intéressent à elle. Et peu à peu, on voit Hélène qui se coupe progressivement de ses quelques proches. On voit qu'elle, ça lui fait du bien, elle se reconstruit, elle voit son fils un peu plus souvent, mais bon, quand elle présente son fils à ses amis, Swift change de comportement, fait preuve d'une immaturité absolument débordante et ça, ben, ça part en cacahuète en fait. J'ai adoré ce roman, c'est très intéressant sur le thème de l'amitié, de la manipulation. L'écriture est fluide, les chapitres sont courts et on sent monter très progressivement la pression de façon très, voilà, très régulière, progressive, jusqu'à arriver à un final qui est, ma foi, bien glaçant et très bon. Le personnage d'Hélène est simple, ordinaire, très réaliste. On peut facilement s'identifier à ce personnage. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Voilà, c'est un super roman psychologique. C'est une autrice que j'aime bien. J'avais déjà lu un titre d'elle, mais je ne sais plus. Ouais, Prête à tout. J'avais lu Prête à tout, qui était très bien. Et je pense que je vais essayer de me procurer d'occasion tous ses autres titres. Voilà, c'est terminé pour ce bilan lecture. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, particulièrement le 12e chapitre. J'aimerais bien avoir vos retours. Je me sens un peu seule à pas aimer ce livre en fait. Voilà, je vous remercie, à bientôt.